Salut, c'est Flo, allez, je vous retrouve dans un nouvel épisode de Call of Duty World War 2. Allez, suite de la campagne. Voilà, donc on a perdu le sergent Turner dans l'épisode précédent. C'est triste. Voilà, parce que ce mec-là était vachement sympathique. Donc bon, merde. Mais bon, faut bien continuer. Allez, bataille des Ardennes. Cela fait 6 semaines maintenant que Turner est mort et que j'ai été promu. C'est Noël. Nous nous enfonçons dans la forêt des Ardennes, en Belgique. Il fait tellement froid qu'on pisse des glaçons. Ça va être une putain de bataille. Voilà, sur fond musical. C'est parti. Go. Seconde classe. Allez, go. Sans Turner, on n'avait plus de protecteur. Paul, tout ce que je voulais, c'était rentrer chez nous en héros. Maintenant que Pearson commande, je risque de ne jamais rentrer. Joyeux Noël, Turner. Au fait, Turner, Pearson a nommé le petit Pecno caporal. Je me demande ce que vous en auriez pensé. Sans doute que t'es toujours un gros salopard, Yellow. C'est pas le moment, les gars. À Turner. À Turner. À Turner. Quel sacré vénard, hein. Faut toujours qu'il soit le premier. C'est ça, continuez à me jeter. Ouais, profitez-en ce soir, parce que demain, quand le convoi va passer, c'est vous qui serez sur le front pour le protéger. Et Turner sera pas là pour vous défendre. Du calme. Du calme. T'es caporal maintenant, hein. J'espère que t'es plus doué pour donner des ordres. Vas-y. Je peux savoir ce que t'attends. Eh, hey, j'en étais sûr. J'ai servi 6 ans avec cet homme. 6 ans. Joyeux putain de Noël. Le convoi est là et nous devons nous assurer qu'il atteigne le Rhin sans encombre. Et maintenant, on doit aussi survivre à ce froid glacial. Et à Pearson. Les bottes, vieux. Elles ont l'air neuves. Ouais. Il les a piquées à un auxiliaire. Le pauvre mort de froid. C'est Pearson. T'es mon radin sur les réquisitions, j'aurais pas besoin de voler. Pas de soucis. Elle lui servait plus à rien, de toute façon. Il est où, le campagnard que je connais? Si tu le vois, fais-moi signe. Sacrée nouvelle, les gars. Ah ouais. Ouais. Vouloir rester au coin du feu avec ma petite femme, alors que je peux me geler le cul ici avec une bande de nazes. Oh merde, on approche. Ayello, reprends la mitrailleuse. Oui, sergent. Sergent, pas de manteau ou de couverture en rab? Vous avez tout ce qu'il vous faut. La tranchée est amorphée toute la nuit. Prends des munitions, tu vas les ravitailler. Si je prends ces munitions, Ayello va se retrouver à sec. Alors il va falloir faire en sorte que chaque balle fasse mouche. Oh là là. Bon, sympathique, hein, un petit peu. Petite ambiance hivernale. On est à Noël. Appuyez sur N pour trouver les objectifs. J'allais porter la boîte de munitions. Ah, je peux avancer. Suicide d'aller là-bas, Daniels. J'ai récupéré une lunette. Fusil à lunettes. Daniels. Ok, je vais récupérer la trousse de soins en même temps.
Fallait que j'aille, je sais plus où. Par là-bas. Hop, trousse de soins. Ah, un objet à récupérer. Sympa, ils discutent tous. J'ai des munitions, les gars. Hop. Hey, regardez, un vrai Saint-Nicolas. Jette ça sous notre sapin. Allez, les gars. Quoi, du chocolat, des chaussettes sèches. Merde, débauche sur la colline à 12h. Moi j'ai deux snipes. Allez hop, on va tous se les faire. Il a couvert mais je peux. Ah je l'ai eu. C'est quoi le deuxième snipe, je sais pas. Donc il faut que je retourne là-bas, je pense. Faites votre rapport à Pearson. Il sort avec moi, lui. Bon, en fait, j'ai deux fusils de snipe. Ouais, ça commence à s'agiter, gros bordel. Personne. Hey, caporal. J'ai une surprise pour toi. Voici Howard. Ravi de faire votre connaissance. Ouais, enchanté. Désolé, je... on sait pas... Travailler avec un ingénieur hors pair. Howard était dans la compagnie qui a pris la crête. C'est dingue qu'il les laisse se battre. Bien sûr. Il nous laisse même mourir. Bon. Quand le convoi va passer, les Boches vont tout balancer. On n'attendait pas des réservistes? C'est nous les réservistes. Sergent, on devrait demander un renfort aérien. Regardez ça. Daniel vient de se souvenir qu'il était caporal. La radio est réparée. Ouais, vous faites pas trop d'illusions. Les autres savent plus où donner de la tête. Servez-vous. Il ne reste plus qu'à les escorter jusqu'au... Ouais, en espérant qu'il reste un peu. Et hop, ça commence. Daniel, en vous ! Fufman ! Je suis ! Et merde. Le problème, c'est que j'ai pas d'arme automatique. C'est encore un coup me retrouver seul, tout ça. Ça va? Ouais, je crois. Ils essaient de nous fatiguer avant l'attaque. On doit retrouver Pearson. Allez, regroupez-vous autour de Pearson. Putain, ça y est, on a encore perdu plein de gars. Des blindés Boches arrivent, ils ont franchi nos lignes. Il y a une radio dans notre ancien PC. Couvrez-moi, le temps que je la mette en marche. Ce PC est trop proche de l'ennemi. Hé, hey, c'est caporal maintenant, bordel, alors agis comme tel. Mais pas nous demander.
demandé d'y aller avec lui. C'est du Queens, c'est pas nouveau. Ah, si tu le dis. Hey, j'étais sous-officier. J'ai renoncé à mes galons. Faut qu'on bouge. Mais vite. Passez devant. À l'envers. Je vais te mettre mon poing dans la gueule. Hey, fais ton boulot. C'est quoi mon boulot par contre? Je sais pas. Je connais pas. Je suis désolé les gars. Ah. Voilà, on va faire ça. Je récupère la mitrailleuse. 152 balles. J'essaie de rester près des arbres. Il faut atteindre la radio. Daniel, besoin d'un coup de main. Qu'est-ce que je dois faire? Je la tiens. Elle est amochée. Près de la lisière des arbres. Ça va me prendre un peu de temps. Retenez-les. Facile à dire pour toi. Protégez Howard. Surveillez les arbres. Proche, on approche. Installe le fusil mitrailleur. Non, je vais le garder en main. On a sur ma gauche là. Ce que je veux, mais je me fais éclater moi. Oh là là, je peux pas le sauver, je vais me faire éclater. C'est toi qui me fais la misère. Couche-toi. Non, il est avec moi, lui. Demandez un appui aérien. Rover Joe! Rover Joe! Ici Dagwood, White 5! Je demande un soutien aérien! À vous! Bien reçu, Dagwood, White 5. Nos avions sont en mission de bombardement. Heure de retour inconnue. À vous. 509, ici le QG. On a une demande de soutien aérien d'urgence. Ramenez votre escadrille une fois la cible atteinte. Changement de cap. Nous sommes à 3 minutes de la cible. Protégeons les bombardiers. On a des tirs anti-aériens devant nous. Un avant d'esquive. Alors, utilisez la souris pour vous cabrer et monter. Oula. Utilisez la souris pour piquer et descendre. En formation. Restez près des bombardiers. Alors, inversez les commandes pour monter et descendre en vol. Non. Les commandes de l'axe vertical en vol peuvent être modifiées. Bon, y'a pas besoin, c'est bon. On se place vers l'avant du groupe de vol. Appuyez sur Z pour accélérer. Appuyez pour ralentir, ok. Je vais être un pro de l'avion. Attention, laisse en tournant pour faire des virages plus serrés. Appuyez sur N pour mettre en évidence les avions ennemis. Les plus, j'imagine. Ah ouais. Viser les avions ennemis pour verrouiller. Ouais, je vais tirer dans mes alliés là, non? Je sais pas si je l'ai eu. Souris 2. Allez, j'en ai pété un. Vas-y, ouvre-nous la voie. Oh, faut que je fasse gaffe. Oh ouais, je vais foncer dans l'avion. Attention, descendez. Je suis complètement paumé par contre les mecs. Où je dois aller? Est-ce que vous êtes... On a été touché. Les commandes ne répondent plus. Je crois qu'il est mort, non? Moi, je le chasse, mais je crois que c'est bon. Ah non, toujours pas, merde. Allez, putain. Allez, c'est bon, ça. J'en ai en face, là. Oh, oh. Bon, j'aurais dû exploser, bien sûr. Oh putain, j'ai plus de santé moi. Prenez de l'altitude. Ouais, je suis assez mauvais en combat aérien. Attention, j'ai clair devant.
c'est que je vois pas où il est. Mayday, mayday, mayday! On va s'écraser! On va s'écraser! Ah non, vous écrasez pas les mecs. Couvert de gauche bloqué, on perd de l'altitude! Tire de l'UTA! Moteur gauche touché! Oh pardon, j'ai tapé dedans. Cible à 10 miles. Oh, je remets ça. À 6 heures. Personne pour me rapistoler là. J'ai plus du tout de. De santé. Oh ouais, j'ai un truc à débarrer en plus. Je fais un virage serré mais. On est touché! Je répète, on est touché! Là, je suis trop en dessous. Allez, là, y'a mec. Là, je suis mort. On a été touchés. Les commandes ne répondent plus. Arrête de faire des zigzags, enfoiré. Laisse-toi carnager. Allez, je te termine. Oh, je me fais encore carnager. On va s'écraser! On va s'écraser! Mayday! 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 J'ai rien pour me. Pour me rafistoler, c'est la misère. Allez, joli. Bouge plus. Ah, mais il le suit automatiquement en fait. J'ai juste à tirer. Ah oui, désolé, j'ai tiré sur toi mon pote. Allez, c'est bon. J'ai plus de santé. On est touchés. Allez, on va les côtés. Un peu de santé là. Je connais un avion qui va péter. Hop. Oups. J'ai foncé dedans. Je crois qu'il y avait la cinématique. Merde le con. Suivre. Ah d'accord, ils m'ont donné un peu de santé quand même. C'est sympa. Je vais un peu plus vite. Ouais, voilà. Les engins blindés ennemis attaquent la 9ème division blindée. À vous. Rover Joe! Rover Joe! Ici Dagwood, White 5! Ils sont sur nous! Où est notre appui aérien? En attente, Dagwood, White 5. Allez, on y retourne. Avion en route à 50 miles. À vous. Vers la ligne de front. Allez, on doit retourner sur la ligne de front. J'ai lâché ma mitrailleuse apparemment. Bah y'en a une de là. Les renforts aériens sont en route. Viendra pas. On va pas le voir qu'on résiste encore un peu. Là, je vais me soigner pour éviter de crever. J'ai gardé la mitrailleuse avec moi. Toujours ça. En arme automatique. Je m'en prends des balles hein. Oh la vache. Ah mais y'a un char en plus putain. Allez, l'appui aérien. Rendez-vous sur le flanc gauche.
J'aurais bien aimé prendre les balles, mais là, je sais pas. Protégez vos chars. En deuxième fois, je crois que c'est le mec au lance-roquette. Ah d'accord. Ce qu'on va faire, je vais installer ça dans mon fusil. Ah désolé, j'ai pas eu le temps de vous protéger. Putain, il est juste à côté du char le bâtard. Hein. Il me reste deux balles, je vais la laisser là. Allemand droit devant, dispersez-vous. Surveillez cette lisière. Ah, Zussmann. Restez sur vos gardes, les Boches vont revenir. Ok. Il faut que je défende. Je vais aller au sniper, c'est plus sympa. Deux chars là-bas. Je m'en rapproche. Allez, on va l'envoyer par là. C'est un peu trop proche. Je l'ai eu à peu près. Le trou.
je rentre, je fais ce que je peux. Donne-moi ton arme. Je voulais me coucher, mais ça marche pas. Blackout. Maman va bien. Les oreilles ont bien explosé. Je sens plus, maman. Parce que je suis assis dessus. Oh, tant mieux. J'ai une question, caporal. Ça fait combien de temps que Pearson est aussi taré? C'est pas vraiment de mon sang. Il y aura sûrement une médaille pour ça. C'est pas si mal. On a de la chance d'être en vie. Pour l'instant. Daniel s'emmène ses boches au traitement. Oui, c'est le mal pour le train. Hé, j'ai déjà vu ce regard. C'était juste avant Catherine. Il y a plus que nous, les gars. Pearson était certain de nous envoyer à la mort, mais nous avons réussi à défendre le convoi, et nous sommes parvenus à repousser les ennemis. Turner aurait été fier de nous. Oh, ah bah dis donc, gros massacre. Alors j'ai trouvé 2 souvenirs sur 3, par contre j'ai accompli aucun acte héroïque. J'ai pas du tout vu ce qu'il fallait que je fasse. Bon bah c'est pas grave. Bon bah c'est bien, beaucoup beaucoup d'action. Voilà, bon bah sur ce, je vais vous donner rendez-vous pour un nouvel épisode, hein, parce que je pense qu'il y en a encore un. C'est pas fini. Voilà, voilà. Allez, à tout de suite. Ciao.